And I wish that the government and others responsible in the Cameroon for health services would take this opportunity to make a real difference. He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." You should be called to repair of the bridge, the restorer of the street to dwell in. Il y a la possibilité de faire quelque chose. Nous avons la possibilité de le faire. Comment ça? Au Cameroun aujourd'hui, pour accoucher par césarienne, on dépose 75 000 francs. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de pouvoir débourser ces 75 000 francs. Alors si la communauté, si nous ici dans le budget, nous décidons de prendre des moyens, de prendre des actions dans ce sens, voir ne serait-ce que comment est-ce qu'on peut mettre, pas de la pression, mais comment est-ce qu'on peut utiliser nos différentes voies pour pouvoir s'arranger avec le gouvernement, pour pouvoir demander au gouvernement, ne serait-ce que de supprimer ces 75 000 francs. Plusieurs enfants, je dis plusieurs enfants auront de la vie sauve, plusieurs femmes auront de la vie sauve. And even for those who can't afford hospital treatment. And these actions of love and care and compassion will herald the dawning of a new day when the darkness of the past will be succeeded by midday light. Your word teaches us as a solemn duty to pray for those set in authority. And so we pray for our Queen and her Parliament, for the President and Government of Cameroon, that in difficult times those bearing heavy responsibility may be given strength and wisdom to match their tasks. We pray for those who seem ignorant and stupid, but who suddenly find power in their hands, and for those who become frustrated in their dealings with such people and are tempted to hasty action. The tanks, above vested interests and corruption, above political establishments, above all things, the reign of Christ. Lord, we were going to do something about poverty, about hunger, ignorance and disease, but it was all too much for us, beyond our giving and our understanding. Lord, we were going to do something about violence, about the arms race, nuclear weapons, and those who make a profit out of war, but we couldn't make sense of it, and we couldn't see what we should do. Lord, we were going to do something about ecology, about the disappearance of the forests, the rare species and irreplaceable plants, but it really is very difficult, and none of us is expert in these matters. Lord, we are good at learning a little and wringing our hands in helplessness. May we take the power you have given. So let us pray. Out of the depths I cry to you. Lord, hear my voice. Lord, have mercy. Lord, have mercy. If you should mark what is done amiss, who may abide it? Christ have mercy. Christ have mercy. Trust in the Lord, for with him there is mercy, for with him is ample redemption. Lord have mercy. Lord have mercy. May the God of love bring us back to himself, forgive us our sins,
and assure us of his eternal love in Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. I have chosen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. 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 Thank you. Steps of a hospital, which should be a place of healing, not a place of death. I am sure that that particular issue will need addressing. And I wish that the government and others responsible in Cameroon for health services would take this opportunity to make a real difference. To ensure that other women do not face the same circumstances. We thank each and everyone for coming today. Once more, we thank the Reverend Father. Thank you very much. À travers l'Église, on veut apporter un message de paix à tous ces Camerounais qui ont été forcément détruits, forcément mis à mal par rapport à cet événement-là. Donc c'était un peu ça le message, c'était un peu ça l'opportunité, vouloir apporter quelque chose de différent à travers un message différent pour le Cameroun. Alors, dans la messe de requiem a eu lieu, les gens sont venus, comme on dirait en Angleterre, what next? L'effet Monique a fédéré, a montré qu'il y a un peuple au Cameroun, que l'on peut tous se mettre ensemble pour pouvoir porter un message, pour pouvoir apporter de la différence, pour pouvoir avoir un Cameroun nouveau, un Cameroun différent. Donc le next, c'est travailler sur la communication, voir dans quelle mesure on peut sensibiliser les uns les autres pour que l'affaire Monique soit le dernier, soit un dernier de la cause et que les Camerounais choisissent désormais de prendre le destin en main à travers des événements. Vous pouvez dire que ça soutient un message politique? Est-ce que vous en prenez au gouvernement sur la manière dont les choses sont passées avec Monique? Je ne veux pas ici pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit. Je veux juste dire aux uns aux autres que
il est de la volonté, il est de la responsabilité de tout un chacun au Cameroun de prendre les devants, de prendre l'opportunité de pouvoir apporter du changement. Parce que c'est. On s'est souvent dit que ne vous demandez pas ce que vous avez fait du gouvernement, ne demandez pas ce que le gouvernement a fait de vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait du gouvernement. Donc nous voulons apporter quelque chose de différent avant de pouvoir porter une quelconque forme. Il est beau de pouvoir fédérer les uns et les autres pour pouvoir porter des projets, pour pouvoir travailler des projets qui mettront en valeur notre pays et que Dieu bénisse le Cameroun. Ça a été un plaisir pour moi de prendre cette initiative par rapport à faire une messe pour la mémoire de Monique Komateke. Je me considérais comme quelqu'un qui a un esprit altruiste et un esprit ouvert. J'ai été président d'une association qui avait pour but de venir en aide aux enfants déshérités. La mort de Monique m'a beaucoup touché et le fait qu'elle essaie des orphelins, j'ai été plus que touché. Sa mort a été tragique avec les jumeaux dans le ventre. Donc personne ne pouvait rester indifférent à ce qu'on a vu tous dans les réseaux sociaux. Donc je me suis dit pourquoi ne pas réunir la communauté pour que tous ensemble on essaye de prier pour qu'elle repose son âme. Oui, je suis très satisfait. Je vais par ici d'abord dire merci au révérend Ronald Hébert de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir faire cette messe ici. Et je dis également merci à la diaspora camerounaise en Bouké. Ils ont tous répondu présent. Peut-être certains n'ont pas été là pour des raisons de boulot, mais je dis merci à toute la diaspora qui a été présente. Certaines personnes ont marché pour faire des revendications. Vous avez choisi l'église. Pourquoi ? D'accord, je pense qu'on est tous Camerounais. Et j'ai toujours dit, c'est bien de critiquer, mais dans la vie, en dehors des critiques, il faut faire des propositions. Donc, aller à l'ambassade du Cameroun, marcher ou alors parler du gouvernement, c'est une chose. Mais moi, je pense que nous sommes de la diaspora, nous sommes arrivés à un stade où de critiquer, il faut faire des propositions. Donc, j'ai voulu qu'on fasse une messe de week-end pour que le corps de Monique se repose en paix. Et voilà, compris, parce que ce monde a été créé par Dieu, donc il fallait qu'on se retrouve dans une maison du Seigneur, et tous ensemble, qu'on dise pourquoi Monique est assez bien. Pourquoi Monique? Pourquoi faire une messe pour Monique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce genre de situation au Cameroun. Mais je pense que Monique a été une plateforme. On commence par Monique et on va prendre d'autres initiatives dans le futur. Je suis en communication avec un des patrons de Osfam et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, dans le futur, créer une culture au Cameroun pour que les femmes qui sont enceintes et qui n'ont pas les moyens, dans le futur, puissent accoucher. Ou quoi, il y a un groupe de 15 personnes qui ont vraiment été comptées. Ça veut dire, Olivier demande alors l'objectif de ce groupe, c'est quoi? Il n'y a pas une association ou un groupe déjà né avec une feuille de route qu'on devrait donner. C'est juste la continuité de l'initiative qu'on a prise.